Moins d'une semaine après que les avocats de Ousmane Sonko ont déposé leur requête aux fins de pourvoi, ceux de Mambé Niang ont envoyé leur mémoire réponse. Il s'agit d'un document de 34 pages contre 35 pour la défense, selon les échos qui donnent l'information. Le journal précise que c'est jeudi dernier que Maître Boubacar Cissé et compagnie, chargé de la défense des intérêts du ministre du Tourisme, ont déposé leur réplique au conseil du président de PASTEF. La même source signale que la partie civile disposait d'un mois pour faire parvenir son mémoire. S'ils l'ont déposé au bout de 6 jours, interprète les échos, c'est pour contrer la stratégie du camp adverse qui manifestement cherche à faire tirer la procédure en longueur. En effet, les avocats d'Ousmane Sonko ont attendu le dernier jour du délai imparti pour déposer leur requête. Il appartient maintenant au parquet général de faire ses réquisitions avant d'enrôler le dossier. Entre-temps, le dossier effectuera une escale au service de documentation de la Cour suprême et le rapporteur déposera ses conclusions. Ousmane Sonko a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et à 200 millions de francs CFA au titre des dommages et intérêts. Il a été reconnu coupable de diffamation aux dépens de Mambé Niang. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel, raison pour laquelle Ousmane Sonko s'est tourné vers la Cour suprême avec l'espoir de la faire casser.